Comme ça d'abord, ok. La petite fée là. Il faut couper ça comme ça. Il faut couper ça comme ça. Ensuite, il faut couper ça comme ça. Mais les sachets plastiques, il faut les ramasser. Hein. On ne les laisse pas dans le champ. Hein. Ok. Hein? Donc c'est ça. Hein? Vous regardez là, tout le monde. Vous regardez. Poussez comme ça. En fait. Voilà. Vous faites comme ça. C'est-à-dire que évitez que la motte soit cassée. Hein? C'est surtout le problème que la motte soit cassée. Bon, aujourd'hui, on est là pour toujours dans la continuité des activités des ateliers de l'école buissonnière. Aujourd'hui, comme activité, on a fait un reboisement avec toujours les enfants avec qui on travaille. Et dans le cadre du reboisement aussi, on a essayé, bourré avec les animateurs, on a essayé de montrer les enfants comment planter un arbre, comment lui faire un tuteur et aussi l'importance du reboisement. Aujourd'hui donc c'était une journée de reboisement. Pourquoi? Parce que tout simplement dans le projet de l'école buissonnière, il y a un thème là qui est reboisement, qui s'appelle le reboisement. Donc aujourd'hui donc on a profité de la journée. On a profité de la journée pour planter donc des eucalyptus et des filaos. Donc c'est une action citoyenne. Donc ce qu'on voudrait, c'est que chaque élève au moins puisse planter un arbre. Quoi. Donc c'est une question en tout cas de sensibiliser les enfants. Parce que dès que tu plantes un arbre, donc tu prends soin de cet arbre. Et je l'ai dit souvent, les arbres, les petites plantes là, c'est des bébés. Et comme c'est des bébés, il faut prendre soin de ces petits arbres-là. C'est ainsi que voilà, donc, la journée donc, a été vraiment excellente et importante. Donc, parce que chaque élève a au moins planté un arbre. Qu'est-ce que l'homme mange dans la mangrove? Les poissons, les huîtres, les crevettes. Quelle est l'importance de la mangrove pour l'homme? Se nourrir, se soigner, se loger, se repérer. Voilà. Qu'est-ce que la biodiversité d'abord? Tout le monde? Tout le monde? C'est l'ensemble des relations et interactions qui existent entre les hommes, les plantes et les animaux dans un milieu bien déterminé. Dans un milieu bien déterminé. Des oiseaux, des crevettes, des moules, des huîtres, singes, des hyènes. Où se développe la mangrove? La mangrove se développe dans l'eau saumâtre. Qu'est-ce que l'eau saumâtre? L'eau saumâtre, c'est un mélange de l'eau salée et de l'eau douce. Comment la mangrove filtre le sel? La mangrove filtre le sel par ses racines et le sol par ses feuilles. Quelle est l'importance de la mangrove pour l'homme? L'importance de la mangrove pour l'homme, c'est se loger, se loger, se loger. Le thème d'aujourd'hui, donc,
est basé sur les feuilles de renier, l'utilité du renier, l'utilité du renier. Donc pourquoi? Parce que le renier, on peut, quand on fait des paniers, on peut le réutiliser plusieurs fois. Également aussi, c'est biodégradable. Donc c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Pour ne pas gâter nos terres, donc il nous faut des trucs réutilisables et biodégradables pour ne pas polluer la nature. C'est pourquoi aujourd'hui on a choisi ce thème-là. Donc on va faire un atelier avec M. Simon Bahoum. Simon Bahoum qui est un environnementaliste, hein, et qui est de Yaïm, qui fait des émissions à la radio RFM de FIMLA. Donc aujourd'hui il est venu pour faire des ateliers avec les élèves sur l'utilité du renier. Tantôt on vous a parlé de biodiversité. Tantôt on vous a parlé aussi des 3 R. Et là, je sens que vous avez bien compris le phénomène. Alors, aujourd'hui, si vous voyez très bien là où vous êtes assis, ça, c'est des nattes. C'est des nattes en plastique. Hein? C'est des nattes en plastique. Alors, les nattes en plastique, on les utilise. Vous voyez que vous utilisez les nattes pour vous asseoir dessus. Alors, c'est du plastique. Et aujourd'hui, on sait que le plastique, il n'est pas biodégradable. Vous comprenez ce que c'est, ça veut dire biodégradable, hein? Ça dit donc, le plastique là, il peut rester là des centaines, des milliers d'années. On va l'utiliser. S'il est détérioré, on le met à côté, il reste là pendant des dizaines, des centaines d'années. Alors que, avec les feuilles de renier, on peut faire des nattes. On peut faire des nattes. Des nattes qui, après utilisation, vont être transformées par la nature et qui vont devenir des engrais un peu plus tard. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas perdu des dizaines d'années, des centaines d'années pour, comment dirais-je, recycler, sinon pour faire disparaître les vis. On peut faire des chaises avec les tiges de renier. On peut faire des lits avec des tiges de renier, des lits, des canapés et tout avec du bois de renier. Mais aussi, on utilise la nervure pour faire des cordes. Ça vous dit donc le renier, du début jusqu'à la fin, il est très utile. Et mieux, on a parlé ici de M. Eucalyptus. Le renier aussi, il soigne. Le renier, il soigne certaines maladies. Par exemple, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont creuser les racines de renier. Tu nettoies très bien, tu mets dans de l'eau, et c'est très bon pour les maux de ventre, on dit. Ça veut dire donc que depuis la racine jusqu'à l'extrémité, le renier, il est très bon. Tu vas faire des paniers, tu vas faire ça, et le renier va continuer à grandir. C'est la même chose avec les mangroves. On va prendre des tiges de mangrove, on va faire des chapins, et la mangrove va continuer à vivre. Et c'est pourquoi on dit que il est important que ces feuilles de renier, ces tiges de renier qui sont biodégradables, c'est bon qu'on utilise ça à la place. Vous voyez, je coupe l'extrémité, mais je garde là. Alors, ici, il y a deux parties. Il y a deux parties. Alors, si je tire fort, il se brise de l'autre côté. Mais je tire doucement là. Équilibrez les mains. Équilibrez les mains. Gardez à côté. Allez, vous gardez ça à côté. Voilà. Ça va vous être utile là. Mettez ça à côté de vous. Faut pas jeter. Maintenant, vous devrez compter, chacun devra avoir 8 comme ça.
Voilà. Ensuite, vous rajoutez un. Voilà. Je suis environnementaliste, animateur à la radio Fimla FM. Là, aujourd'hui, je suis là au centre Amframlé pour dispenser aux enfants une formation sur l'utilité du rognier. L'utilité des différentes parties de l'arbre rognier. De la racine à la feuille, en passant par les tiges, par les fruits. Les enfants ont vu de même quel était le rôle que le rognier jouait dans l'environnement, de manière générale, dans l'environnement de manière particulière, mais dans l'environnement aussi avec l'utilisation qu'on pouvait en faire. Assalamu alaikum wa 106.8. Nous avons des outils qui sont émissions pour voir l'environnement. Je suis très content de vous parce que je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir. Je suis très content de vous voir. Nous avons des centres qui sont très importants. Nous avons des centres qui sont très importants. Moniteurs. Bonsoir. Je m'appelle Fatou Sarr. Fatou Sarr, oui. J'habite à Fimla. Fatou Sarr, oui. Je fais SEM1. Bonsoir. Je m'appelle Ndey Aïda Thior. Ndey Aïda Thior, wow. Je fais la classe de CE2A. Bonsoir. Je m'appelle Cheikh Baba Sarr. Cheikh Baba Sarr. J'habite à Fimla. Je fais la classe de SEM1A. Bonsoir. Je m'appelle Fatou Sarr. Fatou Sarr, et je fais la classe de SEM1A. Xanum bugul lay maké pour dem basine mangoro fe ka djego ndirign ka djego ndirign ka ñewna in ka lala ina datake ka may ñot nohta si to ka wadna in très bien fouane bade ambiak liptebke bade me andamat liptebke e fa dem bas liptebke den dama ndax dem bagu mak bu amuju mbax très bien oui bade de ga mangoro fe bade ngodat tax mangoro fe jasle ba dengo datin kon go ma ko nune nak ngo ko laale me num bas ko to gotle mangoro fe mangoro se bi fore da payatimie. Bonjour, je m'appelle Ndeybo, j'habite à Yayem, je fais la classe de C2 et je suis venu ici pour lutter pour la cause des déchets plastiques dans la mer et je voudrais que tous les habitants de ce pays fasse la même chose que moi. Formation fait arrive formation va andonaye a djega djego niri yam mangro fait ni kokoy arrive ka andonaye a djega onjiri no wine to a djega onjiri no sate fe to it mangro fait ten taxu bo lanka in amba bo ndefe lanka andonaye dal ndefe lanka njemna parce que ten ka de ka fi jemole fa pa jaketen a filtre in taret nafaka ay no ranga nafake koy ndi koy mene ta samti da fole ndi koy fole sayanin ndi koy inje gange mangro inje keli inje ke inje ke karve inje ke ma imbi ambi to fole in fop kanta jem ten taxu mangro ke ambara to patoxel a etel ambi del ndakar nu go ona meke na adna fe tiga jirnya a jega kata wadna no pin to it salte ke nu ga ame ke tu mbus ka ai ke nein tu mbusin akaitin kurem na kabidongi kaga gambarong gisel andem kel reve ko garaga kom sa ojik mana mbus bitina yer bo pare so de bin mana le kom de banu na pedale grave waga khat fo mumen awaga khat fo mumenit tanyamin akon toit
toyit kaga ayeta nga ba fa de kola afa danga mag awaga dire ka andone ubi awaga rimel ba ama tombus naga yakuke maga taremna konbus areva ka andone ay okaya ka jego onjiri kene taku umado ke fanchan merci merci thank you to solidaire merci formation ng merci thank you to solidaire merci formation ng merci thank you to solidaire merci formation ng